Allez, défonce-le le McChicken, pète le burger. Vas-y, Zazou, t'es le meilleur. Ladies and gentlemen, bien le bonjour, c'est Dark Evan et bienvenue, je suis en compagnie de Azuchi. Salut mes petits pandas. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter donc un mod, ça y est je peux enfin le faire avec Azd, il s'appelle More Herobrines, donc ça vous rajoute 22 Herobrines avec leur loot, ils peuvent spawner dans tous les biomes et nous avons une magnifique et incroyable map réalisée par Rastamol encore qui nous fait toujours quelque chose de juste incroyablement magnifique. Avec les shaders c'est du plus bel effet et j'ai trouvé qu'un biome de l'enfer avec des Herobrines ça portait mais juste nickel quoi. Alors Azd, viens, tu vas servir de test, hein. Viens par ici. Viens, tape-toi à moi, là, on va se poser sur l'obsidienne, là, on est pas mal, c'est un bon terrain. Je vais peut-être réduire un tout petit peu mes shaders pour... Pose-toi, bien. Voilà, ouais, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que tu es en survie, toi. Ouais. T'es en survie, d'accord, elle est prêt à se battre déjà. Alors, je fais une petite ellipse, je change les shaders et on arrive. Alors, attention, aujourd'hui, nous avons un cobaye. Oui, j'ai baissé les shaders parce que, bon, c'est pour vraiment être... c'est un peu grand. Je repasse sur Fraps, en ce moment, j'ai des petits soucis avec les logiciels de montage depuis que j'ai mon nouveau PC, donc je teste un peu tout à droite et à gauche. Attention, c'est parti. On va commencer par l'Herobrine, donc l'Herobrine de base, apparemment. Tu es prêt? T'es en survie? Ouais, je suis en survie. Ok, c'est parti. Alors, Herobrine, 605 points de vie. Vas-y. Oh putain, ça m'a retiré tout ça. Du coup, c'est terminé, quoi. Ok, donc... ok, donc ça, c'est Herobrine, le badass. Donc, celui-là, déjà... Oh. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il t'attaquait pas. Essaie de le regarder dans les yeux comme un Enderman pour voir. Genre, tu le regardes, parce qu'il a pas l'air de t'attaquer, sinon. Donc, 605 points de vie. Je n'ose d'imaginer ce qu'il peut produire de plus. C'est pas de beaux yeux. Ouais, donc il faudra être très très équipé ou avoir une épée très puissante. Vas-y, reteste une petite dernière. Allez, pour le fun. Allez. Allez, 16 de dégâts, c'est juste incroyablement trop. C'est énorme. Badass. Bon, je te laisse récupérer ton stuff et on passe au suivant. Alors attention, on termine avec. La récompense de merde. Voilà, donc on récupère un diams en tuant Herobrine. Chaque Herobrine a son loot spécifique à lui. Donc il est très puissant. Si vous croisez son chemin, n'essayez pas de l'attaquer si vous n'êtes pas bien équipé. Ensuite, on va passer au sushi Herobrine. Oh. Oh. Ah. 70 de vie. Ah, il m'a... Ah, deux de cœur. Ouais, j'ai vu 4. Tu as droppé quoi? Deux PQ. Ah non, burrito. Deux burrito. Un sushi? Non. Non, deux burritos, rien. Ah ouais, un burrito. D'accord, le burrito qui peut se faire apparemment en marteau. Ah bon? Alors, je sais pas comment. Moi. C'est un petit truc. Mais alors, apparemment, il l'a pas droppé, donc je sais pas. On peut pas le crafter, apparemment. Hein. Je regarde. Il n'y a pas de craft pour lui. Logiquement, la logique voudrait qu'on mette un bâton comme ça. Tiens, essaie de crafter ça, Azn. Je sais pas si tu peux. Parce que c'est pas expliqué et Not Enough Item n'a pas les crafts. Si t'arrives à mettre un bâton avec, en dessous avec un bout de bois en diagonale. Ouais. Non, mais je te l'ai donné. Ouais, bon, c'est pas grave. Et en vertical. Essaye en vertical. Comme ça. Ok, donc ça marche pas. On passe au sushi. Alors, il y a deux types de sushi Herobrine. Attention, on passe au deuxième. Voilà. Oh, oh oui. 100 points de vie celui-là. Il est plus costaud. L'autre était à 70. Allez, 7 points de vie, je le touche. Il tape à 4, pareil. Sur sa tête, d'ailleurs, on peut voir le sushi, justement. Allez, drop-le, vas-y, bats-toi, Azn. T'es le plus fort. Ouais. Voilà. Le sushi. Et il vous donnera donc à manger encore. Donc celui-ci donne ceci, hein, donc la nourriture. A chaque fois, c'est de nourriture ou des épées. On passe au Herobrine melon. Oh, joli. Ça me fait penser, d'ailleurs, au statue mode. Il y a beaucoup... Allez, vas-y, balance. Prends celui à sauce. Il a combien de points de vie, lui? 45, bon. Il doit sûrement dropper des melons. Dans la logique. Des melons! Toujours prêt, Zazou? Ouais. Ok, on prend l'aqua. Oh, il est sympa, lui. Il est sympa. 100 points de vie. Des Herobrines vraiment très violents. Et donc, il spawn partout, hein. Oh. Bah ouais, malheureusement, c'est la perte du Zazou. On va essayer de le finir rapidement. Moi, je vais me prendre une épée aussi. Hop. Voilà, pendant qu'il termine. Voilà, et donc il vous droppera, hop, des seaux d'eau. Voilà, drop des seaux d'eau. Est-ce que tu es prêt, Azn, pour la suite? Oui. Hop, le melon, c'est terminé.
Là quoi, c'est terminé. On passe désormais au burger. Ah, tu vas affronter un burger. Oh, McChicken. Allez, défonce-le, le McChicken. Pète le burger. Vas-y, Zazu, t'es le meilleur. Tu peux le faire. Même KFC te reconnaîtra plus. Il dispose de 55 points de vie et drop donc le burger. J'ai pas besoin de vous le dire, c'est de la nourriture. Ouais. Voilà, aucun souci avec ça. On passe après au Coco Bean. Donc, noix de cacao. Voilà. Donc, ah oui, il a une forme un peu de celle qu'on trouve sur les arbres de jungle. 50 points de vie. Et il t'a droppé... Rien. Si, t'as droppé quelque chose. Rien, ce que j'ai dans mon inventaire. Eh bien, tu as droppé un sushi encore une fois. Ouais. Ça. C'est le sushi que t'as droppé, il me semble. Il me semble avoir reconnu. On passe à l'Ender et Brobrine. Attention, à mon avis, ça se téléporte. C'est la violence. Oh, joli celui-là. Oh, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Les yeux comme ça, un petit contrat. 180 points de vie. Il doit taper fort aussi. Ouais. Trop putain. C'était la violence. On va le terminer, ce petit Herobrine. Le pauvre Asne. Je prends cher. Allez, vas-y, finis-le. Finish him. Attends, j'ai plus... Ah non, pas avec un os, t'es... Bah, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Je crois que t'as tout pris, en fait, non? Non, j'ai pas pris, moi. J'ai pas pris. Ah, il est là. Non, j'ai rien dit. Tu as retrouvé? Ok. Donc, l'Herobrine de l'Ender, il a dû dropper des Ender Pearls, je sais pas. T'as droppé quoi? T'as quelque chose sur toi? Oui, deux Ender Pearls, voilà. Donc, deux Ender Pearls. Pour le dernier. Ensuite, le Herobrine de la forêt. Attention, 3, 2, 1. 86 points de vie. Oh, Robin des Bois. Un Jean-Kévin Robin des Bois. Un Jean des Bois. Donc, vous voyez, avec une armure en fer, pour certains, ça passe pas. Hein. Il faudra être full diams quand même, parce qu'ils ont des gros DPS. Soit, en tout cas, les empêcher de passer. Je peux prendre un armure plus puissant. Mets-toi un plastron en diams si tu veux, je te l'autorise. Ouais. C'est pour donner le challenge. Donc, lui, il laisse un diamant, j'étais pas sûr. C'est pour ça que je l'ai retué. D'ailleurs, je vérifie que le son de mon jeu, parce qu'il a l'air très violent, je remets ça, voilà, comme ceci. Voilà. Et nous, on va passer à la catégorie suivante. Allez, il nous en reste encore 13 exactement à faire, hein, 9, 9 plus 4. La deuxième rangée des 9, attention, c'est parti, on attaque avec le Herobrine de glace. Ah, tu t'es mis full diams, oh. Oui, tu m'as autorisé. Je t'ai dit un plastron, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est merde, pas... C'était pour être vicieux un petit peu. Alors, attention, on va regarder le Herobrine parce qu'ils sont tous inoffensifs, c'est-à-dire qu'ils n'attaquent pas directement. 100 points de vie, l'Herobrine de glace qui droppera sûrement de la glace. Vas-y, Asne. Attention à 100 points de vie. C'est la bataille. Asne est bientôt sur le point de crever. Oui, bravo. Un cœur. Et il drop 2 diamants. Alors, peut-être de la glace aussi, hein, c'est possible. En tout cas, il drop 2 diamants. Hop, j'ai un peu trop de sushi. Là, ça sert à rien. Voilà. Après, on passe au Jaffa Herobrine. Herobrine Jaffa. Ouais. Je suis prêt. 50 points de vie, vas-y. Tanne-le. J'aime bien, il est au taquet. En plus, il spam clic à côté. Il est trop en pression. Alors, regardez, il va dropper. Un Jaffa Cake. Voilà, un gâteau de Jaffa. Jaffa. Le gâteau de Jaffa. Attention. J'adore ce bioma. Merci à Rasta encore qui nous en fait plein. Il y en a d'autres encore qui arrivent. Hein. Mais on a vraiment une super map pour faire ça. Alors à chaque fois c'est sur un petit. Hein. Mais bon, il m'a dit c'est pas grave. Et les maps sont en téléchargement, je le rappelle. Voilà, par Rastamol qui réalise vraiment des trucs mais superbes. Donc un gros bisou à lui. Alors ensuite, le Light Herobrine. Donc un Herobrine de Glowstone qui... Attends, je regarde la nuit. Vas-y. Alors non, il ne brille pas. Oh, il m'attaque. Il m'attaque de nuit. Ah, ils sont inoffensifs de jour et agressifs la nuit. Oh putain. Il m'a violé. Ah, 150 points de vie. C'était très, 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 très violent. 150 points de vie, à mon avis, il donne de la glowstone. Alors, je vais tenter de le finir. Donc, oui, en fait, il est inoffensif. Voilà, il donne de la poudre de glowstone. Ce qui a trait à la glowstone, en tout cas. Voilà, t'as ton équipement qui est juste en haut, Az. Pour terminer, pour continuer. Hop. Ouais. Juste à l'étage, là, si tu veux. Là où je suis. Retourne-toi. Voilà, juste là. Ensuite, on passe au zombie Herobrine. Et oui, attention à ne pas le confondre. Regardez, il a une petite différence qui est assez grande quand même. 110 points de vie. Un zombie qui court très vite et qui, à mon avis, ne vous laissera pas indifférent au milieu de la nuit. Alors, attention, c'est le combat de Zazu qui se bat avec... Attention au creeper. Oh. Ok, c'est le combo. Bravo. Alors, à mon avis, il doit lâcher de la viande de... Re, les amis, alors, c'est un petit crash de multijoueur, je pense, je ne sais pas pourquoi, parce que hein, ça... Du coup, on a fait un truc, c'est que je les ai fait spawner d'avance, et comme ça, il peut les taper au fur et à mesure. Attention, on attaque avec le Mushroom Herobrine, juste ici. Hop. C'est parti pour l'affrontement.
Gangbang. Laisse-les sortir, laisse-les sortir. Bon, il avait 50 points de vie et drop une soupe aux champignons. Ensuite, on passe au naturel Herobrine, 60 points de vie. Tape-le une fois et recule un peu pour qu'on le voit quand même en action. Voilà. T'as droit, tape-le. Gentil, hein? Il est gentil. Il est très gentil. Apparemment, il est très gentil, le naturel. On va tester avec le Netherrack Herobrine, 150 points de vie. Vas-y. Aïe. Ah, celui-là, il est pas gentil. 50 points de vie. Et Asne qui est bientôt sur le point de mourir. Attention, c'est le coup décisif. Va-t-il gagner? Eh non. Mais alors, à 14 points de vie, hein, c'est dommage. Fin du Netherrack. Donc, je pense qu'il doit donner de la Netherrack. Hein, quoi. Ouais, logique. Le Herobrine Pirate. Je laisse te rééquiper. On peut le sortir de là. Hop. Voilà. Attention, les Herobrine Pirate. 130 points de vie. Et As ne n'emmène pas large. Hein. 3 points de vie pour As. C'est encore. Donc, armure en diams. Hein, ces meubles-là sont très puissants. Alors, moi, j'ai mis juste un plastron, comme tu as dit. Ouais, ouais, c'est normal. C'était parce que j'aime bien être vicieux. Eh, t'as vu, ça se joue à peu. Et il nous laisse un lingot d'or. Hein, des richesses et des trésors incommensurables. Tiens, ton plastron, si tu veux. Et attention, on passe au dernier de la série avant les 4 derniers. Le. Herobrine Sandstone à 90 points de vie. Il est attaqué quand il est attaqué. Ouais, ouais. A mon avis, il reste plutôt. Parce que c'est, il est en bas, il t'attaque d'en haut, du coup, t'es en désavantage. Reste en bas plutôt. Bravo ouais. T'as gagné un drop ou pas? Ça devait sûrement de la Sandstone. Bon, il reste les derniers. On va voir si ça crache, hein, si ça crache ou pas. Vous verrez s'il y a une ellipse ou pas. Hein. Ça, c'est le petit bonheur, la chance. Il nous en reste 4. Voilà, les Herobrine sont très sympas. Et ils ont des loots, hein. Donc chacun aura des loots, c'est vrai qu'on les a pas testés, mais on les testera du coup juste après. Alors on va refaire pareil, hop, on va placer les petites barrières, voilà, de sécurité. Et on place déjà le premier, le slow Herobrine, attention, peut-être crash. Ça a pas craché, alors je sais pas pourquoi, des fois ça crache, des fois non. Alors attends, j'ai mis tous. Oh, il y a le troll Herobrine, ça va être marrant ça. Et zombie pirate, ah c'est le zombie pirate celui-là, c'est encore un autre. Ouais voilà, je m'attendais, j'ai eu peur que ce soit... la même chose, mais non. Hop, voilà, attention, on commence par le slow Herobrine. A mon avis... il est pas si slow que ça. Cours, 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 cours en ligne droite, Asne. Ok, stop, stop, stop. Reviens. C'est marrant, ils sont agressifs, mais si tu t'éloignes un peu d'eux, ils le sont moins. Par contre, de près, il fait très mal. Merci, Asne, pour ton dévouement. Je l'envoie au casse-pipe, le pauvre. Mais bon, je trouvais ça marrant dans le test de mode, pour une fois, que c'était pas moi qui jouais, j'avais un cobaye sous la main, donc je trouvais ça vachement cool. D'habitude, c'est mes creepers, mes copains creepers, mais là, non. Bon, là, c'est mon copain Zazu, là. Allez, il s'est fou. T'as raison. Le Snow Herobrine de neige. Essaye de courir un peu à chaque fois pour... Viens. Est-ce qu'il brille dans la nuit? Wouah. De nuit, ils sont complètement agressifs, mais le problème, c'est qu'on ne verra pas Asne. Attention aux zombies. T'avais vu combien de vie il avait? Ouais, il devait avoir 80, un truc comme ça. Donc celui-là doit donner des snowballs et autres. Attention, le troll Herobrine. Allez. Oh, il m'attaque. Quoi? Il m'a passé une map. Vas-y, prends la map, clique dessus pour voir. Bah non, c'est une map vierge. Hop, okay. Je vois la map. Ok, ça marche. Mais je m'attendais à... bah tiens, passe-moi la map d'ailleurs, on va voir la map du vu du dessus parce que c'est quand même sublime. Voilà, pendant que Asne va affronter le prochain. Alors attention, regardez ça. Les dessins, regardez la géométrie un peu de ce qu'il a fait. En fait, il a fait un gribouillis. En fait, il a gribouillé avec un stylo. Ça fait, tiens, c'est ma signature. Ah, c'est beau. Hop. Et attention, le dernier, il t'en veut déjà, t'as vu? Il t'en veut là, il te veut. Hop, ça y est, on a lâché le faux. 150 points de vie. Mais bon, Asne cette fois-ci est un tank. Ah, mais t'as que 7 points de vie. Ah, en fait, toi, tu les attaques pas avec ta full life à chaque fois. Non, pas spécialement. T'aurais dû. Et court très vite. Alors, tous ces Herobrine, et bien certains parmi eux, peuvent nous faire dropper. D'ailleurs, Asne, tu vas tester ces épées au fur et à mesure. Donc, des épées. Regardez, toutes ces épées peuvent être droppées par les Herobrine. Donc, toi, tu vas tester ça sur des creepers ou autre, je ne sais pas. Voilà. Light, sous le sand, comme tu le vois, chaque épée a son type de zombie. Le Netherrack, le Angel, et ainsi de suite. Tiens, Asne, prends cette épée. Tu prends toutes ces épées là,
tu te les alignes et on passe à la phase de test suivante. De retour parmi nous, et oui, la vraie, parce que les présentations de mode à deux, eh bien ça peut laguer, ça arrive. Attention, on va tester ça sur des araignées, on attaque avec l'épée Nézorak. C'est une épée basique, qui donne 7 de dégâts. Elle a rien de spécial, hein. Vas-y, tu peux tuer des araignées. Comme vous le voyez, ça reste relativement simple. Asd, on passe à l'Angel Sword. Angel Sword. D'accord. Oui, ça. Ouais, parce qu'il est pas dans l'ordre de la même chose que la tienne en fait. Stop. Oh. On va prendre, tu sais quoi, des Iron Golem pour tester, ce sera beaucoup plus sympa. T'aimes me voir souffrir. Voilà. Oh. What? D'accord, donc c'est l'épée. Ah, mais rien, mais 3004 quoi. Oh putain, j'avais pas vu. D'accord, c'est l'épée du dieu. Wither, Skeleton, machin, bon, on va pas s'amuser à le faire, mais. Bon, on passe à l'item l'épée de feuille. Voilà, elle fait 5 de dégâts. Ah, elle peut faire 9. Donc c'est plus 8 d'attaque. Plus 8 d'attaque pour celle-ci. On passe ensuite à la Snow Sword. Ouais. Alors, non, pas d'effet particulier. Hein. Parce que là, ouais, plus. Plus 5 d'attaque, donc très très faible. On passe à la Ice. Attention. Ouais. Attends. Comment tu faisais t'es... S'il a pris des dégâts autres, mais je ne sais pas comment. Bon, 10 de dégâts. Le Mushroom Sword, 5 de dégâts. Et dans la lave. 5 de dégâts pour la Mushroom Sword, donc ça après ce sont des épées purement cosmétiques. C'est bon, spam pas trop Asd, parce qu'on va entendre que ça après. Arrête, hein, c'est bon. Light. Ensuite, la Light. 8 de dégâts. Stop. On passe à la Sandstone. 6 de dégâts. Ah moi j'ai les 7. Ouais, ça dépend. Ça non mais sur le golem. Après, parce que ce qui a marqué en dessous et ce que tu as dans le damage indicator ne sont pas les mêmes unités. Au niveau des loots, donc vous pourrez retrouver ensuite, il reste la Soul Sand, l'Ender Sword, donc qui est une épée très puissante aussi, la Jaffa et la Old Iron Sword. Donc ici, ce sont des Power Shovel, Ice et Hammer. Alors celle-là, je ne sais pas si elle se drop ou autre. Il y a peut-être possibilité de pouvoir les transformer. Jusque-là, pour l'instant, ce n'est pas forcément possible. Alors, je vais tester ça sans toi, Asd. Hop, je suis sûr, parce que bon, je me rends compte que les épées n'ont pas d'effet particulier. Donc. Voilà, 7 de dégâts pour la Soul, donc l'Ender Sword que vous avez vu, donc 13 de dégâts, hein, qui est vraiment pas mal, elle. La Jaffa, qui attaque à 9. Oh, 6, plutôt 6. La Old Iron Sword, donc une vieille épée, qui fait quand même 8 de dégâts, donc ce qui est quand même pas mal. On a une pelle, alors je sais pas du tout la pelle, voilà quoi, la pelle c'est une pelle quoi. Le Hammer qui fait quand même 7 de dégâts, alors je sais pas, et on peut défendre avec. Oh. Le Mass Sushi. Ouais, le Mass Sushi aussi fait 7 de dégâts. Donc c'est assez intéressant. Voilà, les morts Herobrine que vous pourrez croiser dans tous les biomes. Alors attention, ça vous rajoute du challenge. Vraiment, faut s'attendre à avoir quelque chose d'incroyablement badass. Asd, tu peux repasser en créatif si tu le souhaites. Je vais faire un tout petit tour d'horizon sur cette magnifique map. Même avec les shaders et autres, c'est vraiment juste sublime. Au niveau de sa génération, il nous propose toujours quelque chose de magnifique, donc merci à Rasta. C'était le mode mort Herobrine en 1.7.10. Asd, où es-tu? Je suis très loin. Très loin, bon, il va se TP à moi. Et on va terminer donc le mode mort Herobrine. On voit nos lits là-bas, c'est un truc complètement improbable. Hop, deux petites couchettes au milieu de l'enfer, biome enfer pour les Herobrine, un lieu magnifiquement choisi. Le voici avec Zazu, hop, un petit F5. Et on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus, les petits commentaires comme d'habitude. On se retrouve pour une nouvelle présentation de mode de fan de folie et de paix. Allez, ciao à tous! Salut à tous! Et à la prochaine!